Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Auvers-sur-Oise, en plein champ, et je vais vous faire visiter cette belle ville nichée au cœur du Val d'Oise. J'ai plein de choses à vous montrer. Bonjour Gauthier. Bonjour, enchanté. Merci, enchanté, merci de me recevoir. Alors je suis ravie de te rencontrer parce que tu vis ici à Auvers-sur-Oise. Exactement. D'ailleurs, comment on appelle les habitants d'Auvers-sur-Oise ? Ce sont les Auversois. Auversois, donc tu es donc un Auversois. Oui. Et alors j'ai lu qu'à Auvers-sur-Oise, c'était le seul village dans toute l'Île-de-France à avoir 8 monuments historiques, c'est ça ? Exactement. Alors hors Paris, effectivement, on a une richesse patrimoniale qui est assez exceptionnelle. Et donc, l'enjeu, évidemment, pour nous, c'est de la préserver au maximum. Alors, aujourd'hui, je compte sur toi pour nous montrer les spots incontournables. Et bien sûr, j'aimerais finir sur un lieu que je veux absolument visiter. C'est le musée de l'Absinthe. Est-ce que tu es d'accord ? Ça me va. Bon, alors, je te suis. Donc là, on arrive, Gauthier, à l'auberge Ravoux. Ça me dit quelque Exactement. Chose. Mais c'est le lieu où a vécu Van Gogh du 20 mai au 29 juillet 1890. Donc il dormait dans une chambre à l'étage qu'il louait pour 3,50 francs la nuit. Qu'on peut visiter d'ailleurs. Qu'on peut visiter aujourd'hui pour pouvoir s'imprégner du lieu. Et puis il y a la partie restauration qui fonctionne toujours dans un cadre assez préservé et où Van Gogh avait également sa table au fond de la pièce. Et en face se situe la mairie. La mairie qui a également été peinte par Van Gogh dans un tableau qui est célèbre. C'est un célèbre tableau de Van Gogh. Voilà, et qui a été restauré il y a quelques années. Avant, c'était un parking en face. Et là, ils ont refait la place comme à l'époque avec des pavés. Mais elles sont jolies ces petites maisons, on est où là ? Alors en fait on est au centre, vraiment dans le cœur historique d'Auvers-sur-Oise, c'est la rue d'Aubigny. On est au milieu de ce qu'on appelle nous le chemin des peintres, c'est-à-dire c'est un chemin qui traverse tout Auvers-sur-Oise et qui permet de découvrir tous les endroits où les peintres ont fait les œuvres majeures qui ont marqué le village. Ça fait un parcours de combien de kilomètres ? En tout ça doit faire une dizaine de kilomètres. Ah oui, c'est une belle balade. Et là, Gauthier, on est toujours sur le chemin des peintres ? Exactement, on est vraiment devant les vastes étendues du parc naturel régional du Vexin français. Alors, comme on est en plein été, on voit ce que les artistes impressionnistes du 19e venaient chercher, donc les vagues que font les épis de blé dans les champs avec le vent. Et puis en hiver, ça donne aussi une très jolie perspective sur la vallée de l'Oise. Donc on a vraiment l'essence de ce qu'est Auvers-sur-Oise à cet endroit. C'est vrai qu'à cette époque, c'est très verdoyant en tout cas. C'est très verdoyant, voilà. Après, ça dépend beaucoup de ce qui est planté. Souvent, le blé plus tard dans l'année va prendre des teintes beaucoup plus jaunes comme sur le tableau de Van Gogh. Mais dans tous les cas, si on veut faire par exemple des randonnées, c'est l'idéal. C'est l'idéal, oui. Merci Gauthier, on se quitte sur le chemin des impressionnistes. Je vais de suite retrouver Marie-Claude pour une petite visite du musée de l'Absinthe. Mais je sais que je vous laisse entre de bonnes mains. Alors ceci dit, attention, au musée de l'Absinthe, dégustation, ça rime avec modération. Surtout, j'en prends note. Merci en tout cas. Merci à vous. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Nathalie, comment tu vas ? Mais ça va, merci de me recevoir chez toi dans ton musée. Oui. Le musée de l'absinthe. Alors justement, voilà la plante absinthe qui est là. Donc tu vois, c'est une plante très découpée qui pousse naturellement à 800 mètres d'altitude, mais qui s'adapte partout.
Et puis là, tu as toutes les autres plantes qui vont plus ou moins faire partie de la formule de l'absinthe. Ah oui, d'accord. Donc, il y a besoin vraiment de toutes... Oui, c'est un ensemble de plantes. Alors, il y en a beaucoup d'assemblage. Plus. Parce que ça va jusqu'à 10-12 plantes à peu près. Hein. Là, tu en as 5-6. Tu as le fenouil là-bas. Tu veux dire que tu vas nous dévoiler la recette originale de l'absinthe? Non, parce que c'est le secret du distillateur. Ah, dommage. J'aurais bien aimé savoir. Ah ben, on sait à peu près quand même. Oui. Hein. Bon, je te suis alors. Je vais te montrer. Alors, tu nous emmènes dans la première pièce de ton musée. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, dans cette première pièce, ben, c'est une pièce un petit peu technique. Mais bon, on a vu la plante d'absinthe dehors, la grande absinthe. Et là, ce sont tous les bocaux à pharmacie qui montrent que l'absinthe est une plante médicinale. Et ça, depuis l'Antiquité. Hippocrate, Galien en parlent dans leurs écrits. Donc, c'est une plante qui est bonne pour la digestion, la circulation du sang, qui était donnée contre la fièvre, contre les vers. Elle est tonique, stimulante, antiseptique. Et encore plus. De multiples vertus. De multiples vertus, mais c'est une plante très active dont il ne faut pas abuser parce que dans son huile essentielle, il y a une molécule qu'on appelle la thuyone et qui, en cas d'abus en liaison avec l'alcool, chez l'alcoolique chronique, va engendrer des convulsions, voire des crises épileptiformes. Ah oui, donc il faut bien la doser. Donc, c'est une plante, voilà, comme toutes les plantes, hein, oui, oui. Il y a toujours le côté curatif et le côté inverse. Alors, dans cette première salle, on a donc les plantes qui vont entrer dans la préparation de l'absinthe. La recette. Donc, maintenant, je parle de la boisson. Mm-hmm. Donc, on a toujours la grande absinthe. Mm-hmm. Et puis, on a les plantes qui vont apporter la saveur anisée. Ça va être, c'est la première fois qu'on a une boisson avec des saveurs anisées et dans laquelle on va ajouter de l'eau. Donc ça, c'est très très nouveau. Et donc on a l'anis vert, l'anis étoilé, le fenouil, on ajoute la mélisse. Ça, c'est la base commune à toutes les absinthes. Et à cette base, chaque distillateur va rajouter des plantes. Ça va jusqu'à 10-12 plantes et épices. Donc, d'une absinthe à l'autre, ça peut changer en tout cas termes de composition. Oui, alors d'une absinthe à l'autre, on aura toujours cette saveur anisée qui va être dominante. Mais les arrière-goûts des autres plantes sont différentes. Et alors, Marie-Claude, l'anis, c'est un des vertus digestives, je me dis. Tout à fait. Donc, on n'a que des plantes aromatiques bonnes pour la santé. Le tout, c'est de savoir les doser et surtout de ne pas abuser de l'alcool quand c'est transformé en alcool. Marie-Claude, parmi toutes ces cuillères, j'en vois une là qui apparemment elle a une histoire. Une très belle histoire. Est-ce que tu peux me raconter? Alors, cette cuillère, en me promenant aux puces, je la vois et je me dis, oh là, cette cuillère est très jolie, mais à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'on peut manger avec une cuillère qui a des trous? Alors, le marchand me dit, oh, ben, c'est pour l'absinthe, c'est un alcool, c'est interdit, ça rendait fou, on n'en sait pas plus. Donc, c'était en 1981 et plus personne ne savait ce qu'était l'absinthe. Alors, je l'ai acheté, évidemment. Ça t'a intrigué? Ça m'a intrigué. Et puis, de là, ont commencé mes recherches. Cette cuillère a une double histoire, parce qu'elle m'a été demandée par l'équipe de Francis Ford Coppola pour le film Dracula. Incroyable. Et donc, elle est partie à Los Angeles. Et elle a une troisième histoire. C'est qu'un jour, une télévision est venue, me l'a fait sortir pour la prendre bien, bien en face. Et puis ensuite, nous sommes allés au restaurant et je suis revenue et la cuillère était toujours là, j'avais oublié. Oh. Alors, j'ai demandé à la jeune fille qui tenait la caisse si quelqu'un était venu. Oui, un japonais. Et je pense très souvent, et je raconte toujours cette histoire avec ce japonais, hyper honnête. Oui. La cuillère était toujours là. Alors,
je sais que l'absinthe a été interdite à une certaine époque, mais je la date exacte. Alors, c'est le 16 mars 1915, après 20 ans de dépôt de loi à la Chambre et au Sénat, suite à un alcoolisme très important dans toute la France, et un alcoolisme qui va toucher le monde ouvrier. Donc de mauvaises absinthes vont apparaître, certaines seront moins chères que le vin, et là on a des produits vraiment toxiques pour la santé publique. Marie-Claude, j'ai cru comprendre que tu allais nous faire déguster maintenant, c'est vrai? C'est le point final de la visite en général. Bon, je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah oui, surtout... Ça reste une dégustation. Oui, surtout que là, on est à 68 degrés au départ. Oh mon Dieu! Mais bon, on en met assez peu quand même, hein, parce que regarde... Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer justement le verre, ça c'est un verre à absinthe? C'est le verre à absinthe avec cette boule creuse qui sert de dose. Ah oui! Donc en fait, t'as 3 centilitres quoi. Donc la cuillère à... Alors la cuillère va servir à poser un sucre, parce que si tu mets ton sucre directement dans l'absinthe, il ne va pas dissoudre. Oui. L'absinthe ne fond pas dans un alcool fort, il fond seulement avec l'eau. Donc voilà le sucre. Oui. Alors le sucre, c'est un exhausteur de goût, ça va enrichir la saveur, ça adoucit un peu cet alcool fort. Mais cet alcool fort va être dilué 5 fois. Ce qui veut dire qu'on va tomber à 13 degrés. Je trouve ça léger quand même. Quand on trempe les lèvres, comme ça, faut bien, une fois que c'est bien dilué, c'est correct, c'est frais. Mais bon, il en faut pas deux, de toute façon. J'imagine juste tremper les lèvres, ça suffit. C'est vrai qu'après, on sent un peu l'alcool quand même. Mais c'est bon en tout cas au goût. Alors c'est surtout le rituel qui est intéressant, qui est sympa, hein, de refaire ce rituel. Ça complète une visite où on fait un voyage en fait au 19e siècle. Complètement. Alors là c'est moderne, la fontaine est moderne, mais bon ça accompagne bien quand même. En tout cas c'était vraiment un moment très très intéressant, un moment très sympa. Merci beaucoup Marie-Claude. Merci Nathalie.